Il fallait cette ténèbre pour qu'on voie clair enfin. Le monde s'agenouille devant le sacrifié. Il te reste maintenant, Seigneur, toi qu'on a si patiemment détruit, d'aller au terme de ta chute humaine et qu'on te porte, pauvre mort, dans la nuit close du tombeau. Après les clous, le repos et la tendresse enfin. Ta mère est là et Marie-Madeleine, leur cœur est le premier tombeau. Elles lavent de leurs larmes le cadavre et l'entourent de leurs bras, car il faut aux morts autant d'amour qu'aux vivants, cet amour qui fait aux morts le don d'une seconde vie. Tandis que les femmes bercent dans leurs sanglots comme un enfant le corps martyrisé, vient Joseph d'Arimathie qui a obtenu pour Jésus le droit au sépulcre et le fait porter dans un drap blanc. Non loin de là, dans l'ombre d'un jardin, il y a ici un pli ouvert dans la roche. Ce sera le lit de pierre où Jésus dormira sa mort humaine.